Je lirai deux textes ce matin. Tout d'abord au livre des Lévites, au chapitre 19, les versets 33 et 34. Puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Tout d'abord au livre des Lévites, chapitre 19, versets 33 à 34. Quand un immigré viendra s'installer chez toi dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet immigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 287, nous sommes au Seigneur, les strophes 1, 2 et 3, le cantique 287. Je vous invite à vous lever.
comme les marcheurs du soir de Pâques, alors qu'ils s'approchaient d'Emmaüs. Seigneur, rejoins-nous. Et alors que les événements de la vie et du monde peuvent nous paraître bien opaques, ouvre nos cœurs et nos esprits à l'intelligence des Écritures. Il arrive que le prédicateur soit rejoint par la vie. J'étais dimanche dernier à Menton, sur la Côte d'Azur, où j'avais rendez-vous avec le soleil, la montagne et la mer toujours recommencée, comme on dit. Et c'était très bon. Mais Menton, voyez-vous, c'est aussi la frontière italienne, à proximité de Vintimille, où les migrants s'entassent, comme à Calais d'ailleurs. Ces migrants, comme vous et moi, ils rêvent d'une vie bonne, digne et juste. Mais voilà, la porte leur est fermée. D'ailleurs, quelques jours avant mon passage à Menton, un Africain est mort, électrocuté par un caténaire de la voie ferrée alors qu'il tentait de passer en clandestin. Dans le même ordre d'idées, il y a quelques jours, c'était le 24 janvier, rue de Clichy, le président de la Fédération protestante de France, François Claveroli, présentait ses vœux au Premier ministre, Édouard Philippe, et l'invitait à écouter ceux qui, sur le terrain de l'accompagnement et de l'accueil de l'étranger, disent qu'il y a une promesse à tenir et qui n'est pas tenue à ce jour, à savoir celle de la France qui accueille comme elle se doit de le faire. Et le pasteur Claveroli ajoutait, et je le cite, à l'intention du Premier ministre, entendez que la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l'examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence n'est pas en cohérence avec le principe même de l'inconditionnalité de l'accueil d'urgence et que les mesures envisagées vont créer un esprit de crainte chez les personnes accueillies et de suspicion chez tous les autres et non pas de confiance. Au nom de quel pragmatisme cet hébergement qui est de l'ordre de l'action sociale devrait-il céder le pas au contrôle administratif en vue de reconduites plus nombreuses à la frontière de personnes en situation irrégulière ? Fin de la citation. Rejoint par la vie, le prédicateur se tourne aussi vers les Écritures. Et au cœur de la Torah, au cœur du Pentateuque, il trouve un ouvrage étonnant que je vous invite à lire et à relire, le Lévitique. Ce livre de la Bible nous plonge dans ce qu'il y a de plus archaïque dans l'expérience religieuse, les sacrifices, le sacerdoce,
les rituels, le pur et l'impur, le profane et le sacré. Et pourtant, dans cette gangue, on trouve une perle évangélique que je vous ai lue. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Je reprends ce simple verset. Je constate qu'il accorde une place centrale à l'amour de l'étranger. Tu l'aimeras comme toi-même. Et qu'il l'intercale entre ce qu'il faut bien appeler une promesse de grâce, il sera comme un compatriote, et une exhortation à l'hospitalité. Il sera pour toi comme un compatriote. Et puis, il l'intercale aussi avec le souvenir d'avoir été soi-même étranger. Vous avez été étranger. Je reprends ces éléments. Vous avez été étranger. Nombreux sont les textes de l'Ancien Testament qui invitent Israël à se souvenir d'avoir vécu en étranger. Or, vous le savez, Abraham a été un migrant. Parti d'Ur en Chaldée, il a passé sa vie à arpenter le croissant fertile, nomade en quête d'une terre promise par Dieu. Moïse a arraché le peuple à la servitude d'Égypte. Les enfants d'Israël ont plus tard connu l'épreuve de la déportation et de l'exil. Cet exil et cette itinérance, elles font tellement partie de la culture d'Israël que la célèbre déclaration du Deutéronome, qui se veut un rappel de l'histoire, « Mon père était un araméen errant qui descendit en Égypte », eh bien cette déclaration est intégrée à une profession de foi. Oui, en lisant ces textes, que les circonstances soient privées, familiales, publiques, les Juifs se souviennent, ils font mémoire. Et la pointe, elle est là. C'est le souvenir qui fonde et qui justifie l'hospitalité. Parce que vous avez été autrefois étrangers, alors aujourd'hui, vous devez être hospitalier à votre tour. Mais si la Bible invite ses lecteurs à faire effort de mémoire de la sorte, c'est sans doute que le lecteur, il est naturellement oublieux. Ce souvenir d'avoir été étranger ne va pas de soi, en effet. Ce qui s'impose comme une évidence à l'esprit, c'est d'être des autochtones, des indigènes, des nationaux installés. Sur notre terre, nous sommes ici, chez nous. C'est notre condition évidente, habituelle, tranquille. Et c'est cette certitude qui commande notre regard sur l'étranger. Je lis la définition du mot dans le dictionnaire, tout simplement. Étranger qui est d'une autre nation, et parlant d'un individu faisant partie d'une autre nation. Voilà, l'étranger, c'est celui qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas l'un des nôtres, c'est l'autre comme inconnu, eux et nous. Or, cette opposition, simple, elle côtoie dangereusement une autre division tout aussi binaire, amis et ennemis. Eux, les étrangers, ils ne sont pas comme nous. Ce sont potentiellement des ennemis. Dès lors, on peut se demander sur quoi se construit et se maintient cette opposition entre eux et nous, entre nationaux et étrangers. Eh bien, elle repose sur une notion forte d'appartenance. Nous appartenons tous à un groupe, à une communauté, à une nation. Et cette notion d'appartenance, elle est si forte qu'elle nous porte à traiter la nation à laquelle nous appartenons comme une personne, d'ailleurs, en la désignant par un nom propre. Nous disons la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Et l'étranger, alors, est défini de manière négative comme celui qui n'appartient pas à notre cercle d'identité,
à notre sphère d'appartenance. Une communauté qui se définit par une population, nous sommes Français, un territoire limité par des frontières, et une communauté définie par des institutions. Et cet ensemble fonctionne, il faut bien le reconnaître, comme un mécanisme d'exclusion. Pour compléter le tableau, j'ajouterais que pour ceux qui sont déjà membres, l'appartenance nationale est devenue un état de la personne, au même titre que le nom, que la filiation, que le lieu et la date de naissance. Nous avons une carte nationale d'identité. La nationalité, elle est ainsi en partie constitutive de notre identité personnelle, laquelle constitue un fragment de notre identité d'appartenance. Ce qui fait que la barrière juridique entre les nationaux et les étrangers est étanche. L'étranger, c'est non seulement celui qui n'est pas des nôtres, mais qui n'est pas autorisé à devenir l'un de nous du seul fait qu'il le souhaiterait ou le demanderait. Cela peut lui être refusé. Oui, la nationalité est un bien que l'État accorde souverainement à qui il veut. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous la possédons déjà. Mais ce que le droit ne nous explique pas, c'est comment nous comprenons cette appartenance à la nation. Or, il faut bien avouer, là encore, que la compréhension que nous pouvons avoir d'être national, d'être français, par exemple, ne repose finalement sur aucune raison claire et distincte. C'est une compréhension partagée, nourrie par une histoire, incarnée dans une culture, manifestée par des manières de vivre, de travailler, soutenue par des récits fondateurs qui instaurent notre identité, des romans nationaux, comme on dit. D'ailleurs, le plus souvent, notre vouloir vivre ensemble demeure dans le non-dit. Il s'exprime tout au plus à travers des symboles, un hymne national, un drapeau, à travers des fêtes. Il est même tellement enfoui qu'il ne vient à la surface que lorsqu'il est menacé, contesté ou défait, par la guerre notamment. En tout cas, ce sentiment d'appartenance, il est profondément sécuritaire. Nous ne savons peut-être pas qui nous sommes, nous savons du moins à quoi nous appartenons. Et c'est rassurant. Eh bien, c'est cette tranquille assurance d'appartenance identitaire que vient mettre en cause et déstabiliser le souvenir d'avoir été étranger. Parce qu'être étranger, dans un premier temps, c'est être perdu, désorienté, plongé dans un monde dont on ignore les codes, dont on ne maîtrise pas la langue. Qui d'entre nous n'a jamais fait cette expérience à l'occasion d'un voyage ? C'est une expérience de perte de ses repères et de ses certitudes. Mais être étranger, c'est également faire l'expérience de la comparaison. C'est découvrir la multiplicité, la richesse des cultures, s'apercevoir qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, de penser, de croire. Et alors, on peut commencer à évacuer les préjugés. On éprouve de la sympathie, de l'indifférence, de l'hostilité à l'encontre de ce qui est autre. On peut prendre conscience que notre nation en est une parmi d'autres, que nous sommes autres parmi les autres, que finalement, on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Et le travail de la comparaison, c'est alors de dégonfler ce fantasme de l'étranger. Oui, nous découvrons l'inquiétante, mais aussi l'attirante, la fascinante étrangeté de l'autre. Je reviens à un point plus négatif, car c'est faire aussi l'expérience que l'étranger n'est jamais le bienvenu. Parce qu'on en est la victime, on peut découvrir que finalement la xénophobie est un sentiment plutôt naturel et plutôt spontané. Il faut bien le reconnaître. Les passions identitaires, elles sont profondément enracinées en nous. Et aucun peuple n'est plus atteint qu'un autre. L'important, ce n'est pas de refouler ce sentiment, c'est de le porter à la lumière du langage. Que faisons-nous de ce sentiment ?
Comment le combattons-nous? C'est encore à cela que sert le travail du souvenir de l'exil. L'exil peut devenir le symbole puissant d'avoir pu vivre ailleurs que dans notre milieu originel. Il est le symbole de pouvoir vivre avec d'autres. C'est d'ailleurs une expérience que nous pouvons faire très simplement avec le langage. D'autres parlent des langues que nous appelons étrangères. La diversité des langues est en effet un fait fondamental de la réalité humaine. Tous les hommes parlent, mais il n'y a pas de langue universelle. Le travail que nous faisons sur notre propre langue nous fait comprendre que c'est une langue parmi toutes les autres. Et alors, nous découvrons le miracle de l'hospitalité sous la forme de la traduction. Ce qui se dit dans notre langue peut se dire aussi dans une autre langue. Il n'y a pas d'étanchéité absolue entre une langue maternelle et une langue étrangère. On peut passer de l'une à l'autre. Traduire, finalement, c'est habiter une autre langue. C'est aussi, finalement, accueillir une langue autre et c'est être accueilli dans cette langue étrangère. Oui, nous sommes étrangers les uns aux autres, mais nous pouvons nous accueillir mutuellement dans un effort de traduction qui est une manière très concrète de franchir les frontières et de faire se rencontrer les cultures. Nos langues sont des havres d'hospitalité. Alors, frères et sœurs, c'est à partir de là, à la faveur de ce souvenir fictif ou réel d'avoir été étranger, qu'il devient possible d'envisager l'hospitalité à accorder à l'étranger chez nous. Il sera pour toi comme un compatriote, nous dit le livre des Lévites. Oui, si nous avons à faire mémoire d'avoir été, d'être toujours étranger, c'est dans le seul but de trouver le chemin de l'hospitalité à accorder. Il s'agit, en l'accueillant, de faire passer l'autre du statut d'ennemi, l'hostilité, au statut d'hôte, l'hospitalité. Pour traduire cette réalité, Jacques Derrida, qui est un des grands penseurs de l'accueil inconditionnel, Jacques Derrida avait forgé un néologisme, l'hospitalité, oui, passer de l'hostilité à l'hospitalité. Et il y a dans cette attitude d'accueil un aspect de la mise en œuvre de la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et alors, l'hospitalité, elle peut se définir comme le partage du chez-soi, du chez-nous, la mise en commun de l'acte et de l'art d'habiter. C'est l'art de vivre ensemble, finalement. Et elle se présente à nous comme un devoir, car l'hospitalité, elle est commandée par une attitude éthique exigeante. Accorder l'hospitalité, c'est toujours faire confiance à un inconnu. C'est donc accepter le risque d'être privé de toute sécurité. C'est consentir au risque de la trahison. Mais à ce devoir correspond sans doute aussi un droit à l'hospitalité tel qu'Emmanuel Kant l'a défini dans son projet de paix perpétuelle. Je le cite, « Hospitalité signifie donc ici le droit qu'a l'étranger, à son arrivée dans le territoire d'autrui, de ne pas y être traité en ennemi. C'est le droit que possède tout homme de se proposer comme membre d'une société. » Alors voyez-vous, nous touchons ici à la profondeur des droits de l'homme, de ces droits universels qui, il faut le reconnaître, se heurte au droit interne des États-nations. La citoyenneté, aujourd'hui, elle est organisée dans le cadre national. Peut-on penser une citoyenneté sans frontières? Peut-on sortir du rapport binaire national-étranger? Personne, aujourd'hui, ne sait comment combiner d'une façon intelligente et humaine le droit des gens, qui comprend ce droit universel à l'hospitalité, avec la structure binaire du politique
national étranger. D'où certaines contradictions des États qui se proclament volontiers terre d'accueil, nation généreuse, au nom d'un grand récit national ou de valeurs universelles, et qui, dans le même temps, ne brillent pas nécessairement par leur politique et leur législation en ce domaine. Très concrètement, en France, aujourd'hui, il y a des citoyens qui se mettent hors la loi en cherchant à mettre en œuvre, au profit d'autrui, ce droit à l'hospitalité. Par exemple, en aidant des clandestins lorsqu'ils traversent la frontière. En agissant ainsi, ces témoins nous rappellent que l'hospitalité inconditionnelle est fondée sur une exigence éthique, à savoir celle d'accueillir l'autre sans rien lui demander, ni son identité, ni d'où il vient, ni où il habite. Il est évident que cette loi d'hospitalité inconditionnelle, ou plutôt cette exigence, ne peut pas être appliquée politiquement, car elle est absolument subversive par rapport aux États. Aucune économie ne peut non plus s'y fonder, puisque l'hospitalité inconditionnelle, elle remet en question radicalement les règles du lien social et de la vie économique conçues sur l'échange et la réciprocité, c'est-à-dire sur une certaine symétrie. Je t'invite, ou je t'ouvre la porte, et en échange, tu m'offres au moins ton identité, ton lieu d'origine, voire même ta capacité de travail. Ensuite, voyons ce que nous avons intérêt à échanger d'autres. Dès lors, par rapport à cette question de l'inconditionnalité de l'accueil, il s'agit bien de responsabilité personnelle. Voilà. Il sera pour toi comme un compatriote. C'est bien l'irruption de l'autre qui nous pose la question de l'accueil. Vous avez été étranger en Égypte, le souvenir est collectif. Mais l'étranger, tu l'aimeras comme toi-même. Tu, c'est une question qui est posée personnellement. C'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun d'entre nous qu'il incombe de mettre ou de ne pas mettre en œuvre cette responsabilité, de faire preuve de sagesse pratique dans la complexité de nos existences. C'est à chacun de nous qu'il incombe la responsabilité d'accueillir ou de ne pas accueillir, d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Et c'est bien là, je crois, le sens du récit du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu. Ce texte projette sur la fin des temps un débat qui relève de l'aujourd'hui. C'est ici et maintenant que notre responsabilité est engagée. Il projette sur un groupe un questionnement tout à fait personnel. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants, les brebis et les boucs. Matthieu, en fait, à travers cette image, cette mise en scène apocalyptique, nous parle d'un débat intérieur. Chacun d'entre nous est rejoint, dérangé, interpellé par cette question de l'hospitalité et de l'accueil. Chacun peut ouvrir sa porte comme il peut choisir de la tenir fermée. Mais ce que le Lévitique nous révèle, c'est la fécondité de ce geste d'accueil. Si tu l'accueilles, tu aimeras l'étranger. Ce n'est pas parce que nous aimons l'autre que notre cœur serait rempli de bons sentiments que nous lui faisons bon accueil. Au contraire, c'est l'expérience très concrète de l'hospitalité, dans ce qu'elle peut avoir d'ailleurs de plus dérangeant, qui nous fait ou nous fera entrer dans le monde de l'amour, dans cet ordre de la charité où il n'y a pas de conditions, dans cet ordre de la grâce de Dieu, qui est celui de l'inconditionnel. Mais, frères et sœurs, dans cette parabole, il y a encore une notation surprenante. C'est la question posée par les uns et par les autres, une question posée par les deux camps, par ces deux voix qui délibèrent en mon for intérieur quand l'étranger vient me déranger. Quand, Seigneur, nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, étranger, malade ou prisonnier? Oui, quand le Seigneur s'est-il manifesté?
Qui sont ces plus petits parmi lesquels le Seigneur se montre et se dissimule tout à la fois? Quel est cet étranger? Qui m'est étranger? Comme si, en ce domaine, le discernement n'est pas une chose si facile. Ou alors comme s'il ne tenait qu'à moi, finalement, de trancher la question de manière radicale, en ouvrant ma porte, en accueillant l'autre. En tout cas, dans ce domaine, il est plus facile de tenir des discours moralisateurs ou de faire la leçon que de prendre des décisions justes, quand très concrètement, nous sommes interpellés par celui qui vient nous déranger. Ces questions posées par l'Évangile, elles restent ouvertes et les réponses ne peuvent être que personnelles. En tout cas, ce n'est que dans la rencontre et la reconnaissance concrète de l'autre que se révélera la possibilité d'une hospitalité authentique. Cet autre que je peux toujours suspecter d'être l'agent de la violence, comment l'accueillir sans réserve, sinon en prenant le risque de l'aimer, en prenant le risque de déverrouiller ma porte. Saint Augustin, le grand Saint Augustin, disait que l'amour et la joie sont des ravisseurs. Eh bien, l'hospitalité, qui est une puissance de ravissement, interroge radicalement nos frontières intérieures. Lorsque l'étranger paraît, tel le mystérieux personnage de l'Apocalypse, il nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Alors, que ferons-nous ?